Bonjour les enfants. Nous allons travailler sur la leçon de lecture 30 avec les lettres Q, QU et ET. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le texte. Je vais te le lire une fois. Ouvre grand tes oreilles et écoute. La pendule. Je suis la pendule. Tic. Je suis la pendule. Tac. On dirait que je mastique du mastic et des moustiques quand je sonne et quand je tac. Je suis la pendule. Tic. Je suis la pendule. Tac. Je ne suis pas fantastique, mais je sais l'arithmétique. J'ai de bons tours dans mon sac. Je suis la pendule. Tic. Je suis la pendule. Tac. D'après Pierre Gamarra. Tu peux mettre pause sur la vidéo si tu as envie de la réécouter. Maintenant, tu vas regarder les phrases et suivre le curseur rouge. La pendule. Je suis la pendule. Tic. Je suis la pendule. Tac. On dirait que je mastique du mastic et des moustiques. Quand je sonne et quand je tac, je suis la pendule tic, je suis la pendule tac. Je ne suis pas fantastique, mais je sais l'arithmétique. J'ai de bons tours dans mon sac, je suis la pendule tic, je suis la pendule tac. D'après Pierre Gamarra. Alors dans cette poésie, ici, tu as ce qu'on appelle des points de suspension. On les a mis ici pour te prévenir qu'il manque un morceau de la poésie. Maintenant, je vais t'expliquer les mots difficiles. La pendule. La pendule, c'est cet objet qui te permet de savoir l'heure. Mastic. Quand on mastique, ça veut dire qu'on mâche. Lorsque tu mets un aliment dans ta bouche, tu le croques plusieurs fois avant de l'avaler. On dit que tu mastiques. Le mastic. Attention, ce n'est pas la même chose que mastique ici. Ici, mastique, c'est le verbe mastiquer. Ici, du mastic, c'est ce que l'on utilise pour mettre autour des baignoires ou des lavabos. Dernier mot, l'arithmétique. L'arithmétique, c'est un peu comme les mathématiques. Voilà, tu as découvert ce texte de la leçon 30. Donc je compte sur toi pour t'entraîner. Alors bonne lecture!